19e jour, la solitude de Marie. Consécration de notre solitude. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invocation du Vénérable François-Marie Liberman. Ô très saint et très adorable Esprit, faites-moi entendre votre douce et aimable voix. Je veux être devant vous comme une plume légère, afin que votre souffle m'emporte où il veut, et que je ne lui oppose jamais la moindre résistance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'amour qui est soumis à Dieu et qui lui plaît. Petits enfants, l'amour accepte tout ce qui est amer et difficile, à cause de Jésus qui est amour. Pour cela, priez Dieu, chers enfants, pour qu'il vienne vous aider, mais pas selon vos désirs, mais selon son amour. Abandonnez-vous à Dieu afin qu'il puisse vous guérir, vous consoler et pardonner en vous tout ce qui est un blocage sur le chemin de l'amour. De cette manière, Dieu peut former votre vie et vous grandirez dans l'amour. Louez Dieu, petits enfants, avec le chant de louange de l'amour, afin que l'amour de Dieu puisse grandir en vous de jour en jour jusqu'à sa plénitude. Merci d'avoir répondu à mon appel. Méditation de Bérulle. Accepter une solitude humaine totale pour s'unir à Marie. Entre la mort et la résurrection de son Fils, elle est la seule à garder la foi, l'espérance et la charité. La réponse de l'humanité au sacrifice du Christ est concentrée en elle seule. De même, dans ces temps qui nous séparent de la résurrection finale, en elle seule, nous trouvons toutes les vertus pour espérer, croire et aimer et voir du fond de notre vallée de larmes le triomphe du Christ. Marie sera toujours avec Jésus jusqu'au sépulcre où celle qui est la vie ne peut entrer, ne cherchant point le vivant parmi les morts, car il est vivant son cœur. Et l'esprit de Jésus, séparé de son corps, repose dans l'esprit et le cœur de Marie, tandis que son corps repose dans le tombeau. Jean-Paul II, Redemptoris Mater, numéro 23. Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. On reconnaît assurément dans cet épisode une expression de la sollicitude unique du Fils pour la mère, qui laissait dans une très grande douleur. Cependant,
le testament de la croix du Christ en dit plus sur le sens de cette sollicitude. Jésus faisait ressortir entre la mère et le Fils un nouveau lien dont il confirme solennellement toute la vérité et toute la réalité. On peut dire que, si la maternité de Marie envers les hommes avait déjà été antérieurement annoncée, elle est maintenant clairement précisée et établie. Elle résulte de l'accomplissement plénier du mystère pascal du Rédempteur. La mère du Christ, se trouvant directement dans le rayonnement de ce mystère où sont impliqués les hommes, tous et chacun, est donnée aux hommes, à tous et à chacun, comme mère. Sentiment de solitude en moi, je te consacre tout désir humain de rompre avec la solitude. Comme il est écrit, il n'est pas bon que l'homme reste seul, il est aussi dit que Dieu a formé du côté de l'homme une aide semblable à lui. Marie, du côté du nouvel Adam, alors que le Fils de l'homme s'était endormi sur la croix, par le coup de lance est né de l'eau et du sang et du feu de ton cœur, la nouvelle Ève qui est l'Église. Marie, obtiens pour moi l'amour de la solitude, car c'est en elle seulement que seul avec le seul s'abolit la solitude profonde et que l'homme retrouve son vis-à-vis. Marie, je te consacre tous ceux qui souffrent de la solitude physique, de la solitude psychologique, qu'ils te trouvent, ô mère, ô sœur, ô amie, ô bien-aimée de nos cœurs. Toute vie est une messe, et toute âme est une hostie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux, ennemis adversaires, qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne accamper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais, car il me donne en sa hutte un abri au jour du malheur. Il me cache au secret de sa tente, sur le roc il m'élève. Maintenant ma tête s'élève sur mes rivaux qui m'entourent, et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovations. Je veux chanter, je veux louer pour le Seigneur. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié pour moi. De toi mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, conduis-moi sur un chemin de droiture à cause de mes poursuivants. Ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence.
Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre vivant. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Marie, reine de la paix, prie pour nous et pour le monde. Marie, reine de la paix, prie pour nous et pour le monde. Marie, reine de la paix, prie pour nous et pour le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De Saint Maximilien Kolb, acte de consécration à l'Immaculée. Daigne recevoir ma louange, ô Vierge bénie, Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds, moi pauvre pécheur. Je t'en supplie, accepte mon être tout entier, comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi, toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous en passant par tes mains maternelles.